Mais bon. Ouais, il est mine, je Attention aux peux. mines. Ouais, c'est de l'autre côté du panneau. Ah non, c'est un terrain militaire, je crois qu'il n'y a pas de mine. Tu quand même. Ah, j'ai cru que c'était des mines, ouais. C'est le camp en dessous là qu'il faut attaquer. Ouais, là où on envoie le drone là. Ah, j'ai voulu tuer Bambi, j'ai pas réussi, tiens. Ouais, y a un peu d'eau le fossile. Est-ce que je peux éliminer pour elle droite? Vas-y. Ouais, on a dit là-haut, mais par contre, fais-le pas péter. Hein. Ah, il a Ouais, le je lui tire dans sac. la tête. Ouais, vise-lui la tête, hein, pas la sacoche. Hein. Oh, et ça. Comme ça. Et là, boum! Là, celui-là où j'y mets un à dessus. Attention, il est plus Ouais, loin je dessus. vois. Il est mort. Cible abattue. Deep Blue, je suis près du camp de Karel. T'as des infos sur ce type? Pas grand-chose. Attention. Un officier Wolf chargé de la Là, il y en a deux pour le en face de toi, Flo. En effet, c'est pas grand-chose. On les bah, prend? Quand j'en saurai plus, je te ferai signe. Lesquels? C'est ça. Ah là. À droite. Nice. Il y en a un en face de toi maintenant. Ah bon. Super. Il faudrait que t'avances et tu verras sur ta gauche dedans. Il y a le gars, celui-là qui. Je sais pas comment tu l'appelles, celui-là là qui donne l'alerte. Ah oui, ok ça. Tu peux l'atteindre? Ouais. Comme le coup de l'arbre qui tombe dans la forêt. Ouais, super, impeccable. Parce que je pouvais l'avoir, mais il lui tirait que dans les jambes. Quoi. Je voyais que ses jambes. C'est un planning de mission. C'est peut-être pile ce qu'il me faut. Le camp, il a été nettoyé là, c'est bon? Ouais, il y a juste un drone encore.
Et des documents là, j'ai oublié de prendre des documents. Là, il y a un truc à chenille, non, qui se balade là. Ouais, c'est le drone. On va le dire quand vous voulez le faire péter, j'ai le lance-roquette. Ouais. Elle est où la dernière cache là? Elle est au-dessus ou quoi? Je la vois pas. Ah, elle est dans l'autre en face. Tu peux traverser, tu crois là? Ouais, vas-y. Bah, attends, il revient vers vous. La merde, il faut un cadavre. Bon, attends, il y en avait un à côté. Ouais, fais gaffe, il revient sur nous là. Ah bah toi il va chez Chuck pendant ce temps, je vais aller porter le cadavre. Sur qui il tire là? Sur moi, sur moi. Ouverte. Je crois qu'il a eu son compte. Ouais, ouais. Coup de bazooka. Ouais, j'en tiens aussi, en même temps. Ça l'a calmé. Deux points de compétents. On peut créer un nouveau monde. Ouais, j'ai du loot là-haut, il faut aller chercher. Allez, qu'est-ce que tu fais? Monte. Erwan commence à sortir le vestiaire. Sortir un peu, faire quelque chose, ça me va bien. Tout était plié dès le moment où Sentinelle a débarqué. On peut faire la différence tant qu'on y met tout notre cœur. Eh mais... J'ai du nouveau sur Karel. Avant d'être recruté dans les Wolves, c'était un mercenaire russe affilié à l'unité Bodark. Ça te dit quelque chose? Bodark? Ouais, j'en ai entendu parler. C'était une des cibles prioritaires des Ghosts il y a pas longtemps. Comment t'as fait pour remonter aussi vite jusqu'à eux? J'ai appelé Ghost. Je voulais voir s'il avait des infos sur les Wolves. Il a mis du temps à cracher le morceau, mais apparemment... C'est Karel a postulé chez Paladin 9. On a bien fait de prendre l'hélicoptère. Hein. Peut-être qu'il est déjà à 2 km. T'es. Attends, je vais faire péter le pont. Je vais sauter le pont. Il est le con qui a fait péter le pont. Il finira à la nage. Hop. Je pouvais savoir qui c'est qui a fait péter le pont. Putain, ouais. C'était une erreur. Oups. On va pas de là. Et alors, tu t'es posé là, c'est pourquoi? C'est pour l'atteindre? Non, mais je pensais qu'il y avait des mobs.
Mais je crois Oh, qu'il il y a y en avait personne. deux. Ouais, il y en avait deux. Ouais. Oh, voilà. Ah, bah, il y a un hélico en bas aussi. Ouais, je pense qu'il va le prendre, l'hélico en bas. Ah, mais il y a une caisse, il y a une cache. Je vais aussi. Allez, saute. Hop là. Ça doit être toi, le ghost dont j'ai tellement entendu parler. Karel Sekulic ? Ouais, c'est ça. Tu sais qui je suis et tu sais ce que je fais. Je te trouve un peu cavalier. Surtout pour un wolf. Je viens d'entendre parler de Stéphanie. Elle t'en a fait baver, apparemment. Vous êtes proches, si j'ai bien compris. Disons que j'ai connu pire, mais effectivement, je l'arrête de mes cadeaux de Noël. Écoute, je peux te conduire à elle. Je peux même la pousser à te donner toutes ces infos sur le cloud. Mais pour ça, j'ai besoin d'un service. Je t'écoute. En fait, ce que je voudrais, c'est disparaître. Déserter. Quitter les Wolves. Les cadavres. Braza. Le planning de mission. Ouais. Tout a été falsifié pour me permettre d'échapper à cette vie. C'est un plan plutôt radical. Ça encore, c'est rien. Je voulais faire croire aux autres que je traquais les ghosts. Je comptais monter toute une opération des ghosts du côté du barrage. Mourir dans l'explosion d'un transformateur. Et c'est là que tu débarques. Tu t'es dit que ce serait plus crédible de mourir de la main d'un vrai ghost. Là, j'avoue que t'as pas tort. Ouais, un truc dans le genre. Ravi qu'on se comprenne. Rends-moi service. Place-les sur le cadavre. Tu trouveras aussi un émetteur radio sur le corps. On pourra communiquer avec. Il a intérêt. Quand ce sera terminé... Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Il est sur ma liste aussi, lui. Clair. Il est sur la liste. D'ailleurs, je pense que tu peux me le tuer tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ah non, il a disparu. Oui, oui, non, mais arrêtez de tuer tout le monde. Ouais, c'est clair. On vient de faire l'émission avant, quand même. Avant qu'il nous trahisse, merde. Ouais, mais il peut pas te trahir si tu le tues avant, quoi. Ouais, mais voilà, c'est de la prévention. Hein. C'est de la sécurité, rien de plus. Ah, c'est de la prévention. Ah bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le jeu, alors. Non, on le bute et c'est réglé. C'est une bonne prévention, on va dire. Bah, vu ce qu'a fait sa gonzesse... Ouais, c'est clair. Ouais, je suis pas fou, elle est où, là? Ah, un clé. Moi je pilote celui-là. Putain. C'est bon. Allez, je te suis. Supercoptère. Bon, là, il y a du monde. Hein. Ah, cool. On va aller en bas là ? Ouais. Tu veux que je me pose où ? Je sais pas, comme tu le sens. Bah toujours au-dessus, c'est mieux. Tu peux pas sortir le sniper de la cabine de pilotage là ? Ça marche pas ? Non, je crois pas là. Bah pose-toi... Je sais pas où. Comme tu veux. Alors moi je me suis mis carrément sur la droite. Il y a personne. Hein. Là où je suis. Non, ça va pas le faire. Vas-y, écrase-le, le bonhomme bleu, là, en bas. Ouais, je vois. Ah, ça en fera déjà en moins. Je voulais faire. En plus, il a un chapeau de cow-boy, alors... Vas-y, il mérite d'être écrasé. Hein. C'est clair. Thank you.
Quel joli tir. Quelle précision. Là, t'as un doigté bon, que les dit... femmes, tu dois les faire envier. Hein. T'es en train de filmer, là, en plus, c'est bien. Ça sera bien pour les gosses qui regardent ta chaîne. C'est bien. Ils vont être contents. Mais ils comprendront ce qu'ils comprendront. Il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. Juste un doigt. Il n'y a que des sous-entendus. Et des doigts bien placés. Bon, moi, je me le fais film d'action. Je prends l'hélico, je me mets au-dessus, je saute en parachute. Sur le point. Ah, c'est ce que je voulais faire, mais je me suis dit jamais l'hélico il se crache en plein milieu de la base. Bon, alors bon. Le mieux, tu guides l'hélico et c'est moi qui saute. Je suis en parachute, je me lâche, j'atterris, je me rends invisible, j'interagis. Il y a déjà trois gars en dessous là, là il y en a un là. On va peut-être péter déjà la lumière là, je sais pas si elle nous détecte ou pas. Bon. Elle a pas l'air de là, mais. Buter les deux qui arrivent. Ouais, les deux, moi je prends celui-là de qui sera campé, voilà, avec le A. Avec le A, toi ? Ok. Vas-y. Ah, il l'a raté. Ouais, ben, il a tourné la tête. Ouais, c'est ça, ouais. Il a tourné la tête, il y avait un peu de vent. Ouais, alors celui-là, il n'a pas tourné la tête du tout, celui-là. Il aurait dû. Et en plus, il a lâché un loot zone. Ah, t'as de la chance, j'ai rien eu. Et encore raté. ouais, mais je voulais se tirer aussi parce que j'étais. Oui, tu tires à côté pour les divertir. Voilà. Et les deux ils sont là-bas, mais bon, ça peut être un peu loin là. On va peut-être se rapprocher quand même. Là, il y a un gros. Il est où ? Là-bas, il y a un sniper. Je suis en train de faire le tour avec le drone. Attention, ça débarque sur la plateforme en face, là. Attention, Chuck, tu es visible. Ouh, tu... Ça lui a fait un petit trou dans la tête, là. Pour qui ? Tu lui as visé la tête. Tu l'as lâché le chargeur, là. Elles en ont pris trois. Ouais, j'ai vu, moi. La tête, elle ressemble plus à rien, là. Il y a un gros derrière l'hélicoptère. Alors, de votre côté, pour l'instant. Ouais, il y a deux snipers là-bas, il y a deux gros. Là, il y a du monde par là-bas. Il y en a un. Par contre, ça serait bien que vous avanciez, là, vous longez le bâtiment. Il y a un drone dessus. Juste au bout, il y a un mec là. Attends, il va s'avancer, vous allez pouvoir peut-être le buter. Ah, mais il y a un gros, juste en face, attention, il y a un gros. Ah, celui qui a l'air. Là, j'ai mis un A, il y a un gros. Ah, bah, t'as trouvé le bouton, c'est bien. Pour afficher les... Quel bouton ? Ah, pour indiquer ? Non, mais je sais les afficher, le mais... Ah, la dernière fois, c'est-à-dire hier, tu savais pas. Si. Bah, tu le faisais pas ? Bah, je l'ai peut-être pas fait, ouais, mais... Je savais que je pouvais les marquer. Ça, c'est encore Chuck qui a raté son coup. Ah, bah, bien vrai. Je l'ai pas loupé, voilà. Le gros. Ils sont toujours là, quelque part. Attention, contact ennemi. Il y en a deux derrière le bâtiment là. Voilà. Ah, il y a un gros là-haut. Super. Là, il y a un gros qui arrive vers vous du côté de l'hélicoptère. Ouais. Et donc, il y en a un en bas aussi. B. Ouais. Oh, tu l'as bien raté celui-là. Ouais. La première balle. Comme quoi. Quand on est mauvais, c'est comme ça. Je vous les marque, ceux qui arrivent en courant, là, il y en avait un qui arrive en courant. Ils sont bizarres les drones, en fait ils attaquent pas systématiquement. Non, ah, ça non, c'est des drones, Ouais, ça c'est des drones de transport, ça, des travailleurs. Ouais. Laisse-les bosser, là. Ouais. C'est eux bientôt qui vont nous remplacer. Ouais. Ils, c'est ça, ils vont payer notre retraite. J'y crois pas trop. Non, quand même, faut pas en demander autant. Bon, les gars, j'ai plus de batterie. Oh bah, bonne nuit. Hein.
Donc je vais vous rejoindre. Oh bah non, on jouait tellement bien là. Ouais, c'est ce que je vois. Non mais... Je vais pas venir vous embêter, je vous laisse nettoyer la zone et puis moi je ramasse. Tu regardes. En plus c'est bien, j'ai juste à courir, ramasser le loot, impeccable. Ouais. Il y a un sniper au-dessus du bâtiment, hein, les gars. Ah bah il monte. Ouais, c'est bon. Oh, j'y vais. Ouais, impeccable. Activité ennemie de ce côté. Salut. J'aurais vraiment besoin de renseignements. Voilà grosso modo ce que je me rappelle. Merci, vraiment. Ah, tu l'as interrogé avant moi. Hein. Ouais, ouais. On sait jamais. Si c'est un gros trésor avec des lingots, je préfère être Hans. Apparemment, il en resterait un. Ouais, il doit être, je sais pas, au-dessus ou je sais pas, derrière, non, derrière le bâtiment. Il est là. Pas plus. Elle est où la caisse? Je la vois pas, au-dessus, elle est au milieu là, sur le... Au-dessus. La plateforme. Elle est au... sur la au-dessus plateforme. De Levez la tête, j'ai mince, elle est pas dessous quand même. Comment tu le sais? Je t'observais, de loin. Je vais quand même pas te laisser tout faire tout seul. Ok. Qu'est-ce qu'il reste à faire avant de tout faire péter? Eh ben, il y a deux choses à vérifier. D'abord, tu dois falsifier le registre des visiteurs en signant avec mon nom. Ensuite, je veux que tu désactives le mécanisme de sécurité des transformateurs. Peu importe par quoi tu commences, comme tu veux. Ok. Au fait, elle est à qui cette radio? À moi, mais t'inquiète pas. Réglé sur un canal que personne de mon unité utilise. Il s'agirait pas d'avoir quelqu'un de sentinelle en ligne. C'est pas le moment d'être sur écoute.
Pour rentrer dans le bâtiment là, je pense. Il y a des documents, mais ils doivent être au-dessus, non ? Et une caisse au-dessus, en tout cas. Oh, monter. Oh non, elle est où ? Ouais, elle est sur le toit. Et bien, hop. Apparemment, moi, il me reste une caisse. Et elle est... Elle est en bas, là. Ouais, moi aussi, il reste une caisse bleue, ouais. Ouais, elle est juste en dessous, elle est carrément en dessous, ouais. En dessous. Ah oui. Ouais. On peut pas sauter, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment t'as fait pour descendre d'un seul coup ? Ah, bah j'ai pris un point en hauteur et j'ai sorti le parachute. Elle est dessous, tu crois ? Ouais, ouais, à côté de la flotte. Non. Oui, si. Ah ouais. Allez-vous-en, vous voulez bien ? Salut. Vous avez rien à craindre. J'ai besoin de savoir comment trouver ce lieu. Vous m'aidez ? Il a cet endroit, c'est là que vous trouverez ce que vous cherchez. Formidable. Merci. Oh bah c'est bon, on peut continuer. J'ai fini les préparatifs. Je dois savoir autre chose avant qu'on lance le feu d'artifice ? Non. Allume ça quand tu veux. Maîtriser les transformateurs. Bah, c'est les trucs au milieu, ça. Je vais tirer dessus. Voilà, ouais. Tous les détruire ? Bon, je t'ai filé un coup de main. Juste les 9 c'est le moment de me renvoyer l'ascenseur. D'accord. Ok, on abrège si tu veux bien. Je suis responsable de la sécurité des VIP pour le Claw et conseiller tactique du stratège. Il me consultait sur des tactiques Spec Ops top secret. Pour autant que je sache, c'était lié à un de tes amis. Midas ? Possible. La personne en question a subi un interrogatoire difficile. Très difficile. Où est-ce que je peux le trouver ? Je vais t'envoyer les détails. Et tout ce que je sais sur la base du stratège. Cela dit, et je ne saurais trop insister là-dessus, n'essaye pas de t'introduire sur site sans savoir précisément à quoi ressemble le Claw. C'est bien noté. Et Denis et moi, on va se retrouver bientôt en pleine nature. Je vais t'envoyer les coordonnées.
tu seras là-bas, je la pousserai à te donner toutes les infos qu'elle t'avait promises. Merci, j'ai hâte. Ah, 6 km. Hein? 6 km. Oh, où t'as mis le A là? Non, l'autre côté, le point jaune. Ah. Voilà. Il y a un A là-bas, moi je crois. Non, le point jaune, de l'autre côté encore. Je le vois pas. Ah, l'autre côté, tourne de l'autre côté. Tourne de l'autre côté. Encore. Ah oui, il est pile poil derrière toi. Eh, tourne encore derrière toi. Encore, tourne encore. Un bon quart de tour là. Ah, encore un quart. Voilà, il est juste en face de toi le point jaune. Moi je vois pas de point jaune, mais c'est pas grave. Ah, elle est pas, pas épinglée la mission? Elle est pas épinglée la quête? Ah, moi je l'ai pas à l'écran, j'ai pas de. Ouais, c'est j'ai pas rien. Épingle la quête. Ouais, mais ça marche pas, interface, mais ça marche pas. Ou sur ta carte, tu cliques sur le petit rond jaune. Ah, mais là, je sais pas où je vais, putain. C'est pas grave, tu peux téléporter et on est à côté d'un. Vous me recevez? Reçu. Ce sphinx est un vieux collègue. Ouais, j'ouvre ma carte. Normalement, t'as le point jaune dans la quête, là. Tu cliques dessus, ça va l'activer, ça va l'épingler directement. Contre les États-Unis. Il butera tous ceux qui s'y opposeront. On n'a rien de très concret sur lui. Hormis qu'il aurait ou sinon, tu prends le bivouac. C'est ça. Pas mal aussi. Parce que je le vois pas. Quelqu'un doit bien savoir. Même sur la carte, je le vois pas. Il y a pas de point jaune. Et sur ton écran, la quête, elle est activée là ou pas? Non. Quête loose solide. Normalement, elle devrait être activée, c'est vous qui l'avez mise. Bah oui. Bah ouais, mais non. Interroger Stéphanie, tu l'as pas. Attends, si on la resélectionne, nous. Non, je pense que c'est des bugs, fais voir. Là, il te propose pas, là. Ah, là, c'est affiché. Là, c'est affiché, c'est bon, je l'ai. Ok, bon, c'est bon. Elle est finie la mission là? J'ai pas fait attention. Non, il faut qu'on aille voir. Ouais, il faut qu'on aille voir. Ouais. Parce qu'on aille revoir Stéphanie. Partie, oui, voilà. Ouais, on l'a pas fini intégralement. Non. Vas-y, tu peux. Oui, je me doute. Tu vas récupérer l'hélico. Tu lèves le camp. Mais non. Je le fais apparaître juste pour le fun. Non. Et hop, là, je croyais que t'avais crevé. C'est bon. Stéphanie Burgess. Je me disais que tu voudrais être présent pour la suite. C'est là que ça devient intéressant. J'en ai bien l'impression, oui. Merci. On le voit avant de les buter tous les deux. J'espère que vous avez une bonne explication pour tout ça. S'il retrouve notre trace, ce sera ta faute, Karel. Je comprends. Écoutez, je suis de votre côté. Si on monte jusqu'au clos, personne ne retrouvera votre trace. Que vous soyez un ghost, c'est une chose. Mais vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Je travaille pour Lomax Ferro, les développeurs du clos. L'un des fondateurs est Michael Lomax, un sénateur américain du sous-comité de la défense. Il use de son influence pour créer des mandats et financer ses recherches ainsi que des projets comme le CLO. Le projet CLO est financé par l'argent du contribuable?
Et il a le feu vert pour le développer? Ça me complique le travail. L'autre fondateur est l'associé de Lomax, Ferro. C'est lui le stratège. Tout cet argent, ce contrôle, ce pouvoir, il s'en est servi pour piloter ce projet. Des machinations d'État au plus haut niveau. Tout à fait. Je ne sais pas qui vous envoie saboter le clos, mais il réfléchit plusieurs coups à l'avance. Soit il connaît les plans du stratège, soit quelque chose d'autre se prépare. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que ça devrait suffire pour que tu puisses commencer. Je te souhaite bien du plaisir à creuser dans tout ce merdier. Nous, on va y aller. L'île est verrouillée. Vous comptez aller où? T'inquiète pas pour ça. Je connais quelques endroits où on sera en sûreté. Garde quand même ta radio à portée de main. Je suis sûr qu'on se reverra. Deep Blue, t'as tout entendu? Oui, ça ne me plaît pas du tout. On sort complètement du cadre. Si je peux me permettre, cette mission, qui te l'a donnée? La CIA. Par le même canal que le reste de mes affectations. Maintenant que j'y pense, le timing est un peu suspect. On m'a chargé de capturer le stratège juste avant le blackout d'Oroa. C'est gros comme coïncidence. Et si quelqu'un au sein de la CIA savait qu'Oroa allait couper les ponts, hein? Peut-être que cette mission ne se résume pas à capturer le stratège. Et si c'était une extraction, hein? S'ils étaient au courant pour Oroa, ils devaient savoir que leurs activités risquaient d'alerter les Ghosts. Ou pire, qu'on interviendrait. Si moi ou un autre Ghost, on avait arrêté Ferro, ça aurait été l'effet domino pour ses amis au Sénat et tous leurs intérêts privés au bout de la ligne. Tout se serait cassé la gueule. On est en plein scénario d'état profond. Le genre d'histoire dont les complotistes raffolent. Je sais que c'est dur à croire, mais il est possible que tu travailles pour le mauvais camp. Réfléchis. Si l'argent des caisses noires peut contrôler une technologie comme le clos, s'il fait danser la CIA et la Défense, va savoir jusqu'où ça s'étend. Ce serait dommage quand même, non? Bon, je vais poursuivre la mission. Quand ce sera fait, je ne remettrai Ferro qu'aux personnes en qui j'ai une confiance absolue. Parce que tu as raison. Quelque chose ne tourne pas rond. Exactement. Ah là, ça y est, la mission est finie. Attends, quelle heure elle est là? Il est 23h27. On se garde les... Attends, je regarde ce que ça a activé. Ouais, le stratège du coup. Ouais. Bon, on se la garde pour demain, celle-là. Ouais, ouais, ça marche. Et là, le titre de celle-ci, c'était... Loup solitaire. Le stratège? Le loup solitaire? Loup solitaire, ouais, apparemment. C'est le ou juste le... Non, juste loup solitaire. Ouais, loup solitaire, loup, tout court. Ouais. Loup. Ça s'écrit comment? Loup, L O U P avec un P. 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 Ouais. P avec la fin. Loup. Ok. Ok, super. Moi, je suis déjà à 40 vidéos.